Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et créer un compte Microsoft Teams pour le télétravail. Pour commencer, on va télécharger l'application. Sachez que vous pouvez également utiliser la plateforme à partir de votre ordinateur. Alors, si vous êtes sur iPhone, vous allez sur l'App Store. Par contre, si vous êtes comme moi sur Android, vous allez sur le Play Store. Dans la barre de recherche, vous tapez Teams au pluriel. Vous la sélectionnez et vous l'installez. Après son installation, vous l'ouvrez. À son ouverture, vous appuyez sur Inscrivez-vous gratuitement. On vous dirige alors vers le site internet de l'éditeur. Vous allez alors entrer votre adresse email. Vous indiquez également le mot de passe correspondant pour ce nouveau compte Teams. Pour terminer, vous renseignez votre identité et le nom de votre entreprise ou organisation. On vous propose ensuite de revenir dans l'application où l'on vous demande cette fois-ci d'indiquer votre identifiant et le mot de passe pour la connexion à ce nouveau compte, de sélectionner votre organisation. Pour votre première connexion, on vous affiche les différentes fonctionnalités de la plateforme, que ce soit le partage de fichiers, les discussions en ligne individuelles ou en groupe, et surtout les appels audio ou vidéo en visioconférence avec également le partage d'écran. Pour la suite, on vous demande de remplir votre profil. On vous propose également d'inviter vos contacts sur la plateforme si besoin. Pour finir, vous arrivez sur l'écran principal de la plateforme de collaboration. Je vous laisse alors la découvrir par vous-même. Vous y retrouverez les fonctions principales comme l'activité de vos collaborateurs, les discussions, les équipes, les appels et les fichiers partagés. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.